Alors, face caméra pour répondre à votre question. La question, alors ça c'est une de vos questions, c'était par rapport au dextre, travailler en montant un cheval et tenant un cheval en longe. À partir de quel âge on peut le faire? Ça c'était la première question. Et la deuxième question c'était pourquoi est-ce qu'on utilise le dextre? Alors, à partir de quel âge? J'ai envie de dire que ça peut être assez rapide, mais avec la mère. Selon moi, hein, je réponds que par rapport à ma vision des choses. Par exemple, Calicia, j'ai commencé à la sortir, elle avait 6-8 mois à peu près avec la mère. Et c'était une balade tranquille, je remontais gentiment la mère. Même au départ, j'ai même pas commencé à monter la mère. Je prenais la mère en longe et je tenais Calicia à côté. Ensuite, j'ai monté la mère. Donc tranquillement, parce qu'elle n'était pas remusclée, donc c'est aussi par respect du corps. Arrête, chouchou. C'est aussi en respect par rapport au corps de ma jument. Et puis voilà. Donc on peut commencer assez de bonne heure. J'ai fait un tout petit trotting avec Calicia. Oui, elle avait, on va dire, une petite année à peu près. Et puis après, c'est à vous de voir par rapport au travail. Je pense que sortir en dextre, sans forcer les trotting galloping, mais en étant dans du pas, du trot, si c'est très léger, très décontracté, pour moi, il n'y a pas de problème. On peut faire ça une à deux fois par semaine, sans aucun problème. Il ne faut pas que ce soit très long. Moi, je conseille une demi-heure, trois quarts d'heure. Et sur des... Voilà, pas des allures vives, pas des allures vives au départ. Donc voilà, Oyam, moi j'ai vraiment accentué le travail avec Oyam. Alors lui, il ne l'a pas fait tout petit. J'ai fait d'autres choses avec Oyam quand il était petit. Avec Oyam, c'était plus quand il avait 2 ans. Il n'était pas encore, débourré. Tu es devenu cool, toi. C'est cool, ça. Ouais. À 2 ans, lui, il sortait minimum une fois par semaine, trotting, galloping. Mais bien sûr, ça s'est fait crescendo. Et puis là, je l'ai repris au travail, donc maintenant il a 3 ans, monsieur ça y est, est castré, et on va expliquer pourquoi je t'ai repris en dextre, parce que t'es censé être débourré et monter tout seul. Voilà. Donc voilà un peu par rapport à l'âge, à partir de quand on peut commencer, et par rapport aux vieux chevaux aussi, moi je trouve que c'est assez intéressant de sortir les vieux chevaux qu'on n'a pas envie de mettre notre poids dessus. Non, chouchou, non. Notre poids dessus et je pense qu'il a des balades au pas avec les plus âgés alors qu'est-ce que ça veut dire plus âgés? Il y a des chevaux à 20 ans qui font déjà très vieux et qui ont déjà de l'arthrose, etc. Après un cheval 25 ans qui... un cheval où on sent que physiquement parlant c'est pas ok d'être systématiquement monté ou de ne plus être monté. Par contre je pense que c'est intéressant que le cheval continue à marcher et continue à être en lien. Oh là là, et j'ai des chevaux oh les loulous là. Donc voilà, les vieux, les jeunes, et après l'entre-deux, voilà, maintenant on va parler de l'entre-deux. Pourquoi utiliser en fait le dextre? À quoi ça nous sert? Alors, muscler le cheval, par exemple, quand on veut sortir des chevaux en endurance, muscler le cheval sans qu'il soit monté, déjà ça nous permet de travailler 2 chevaux à la fois, alors des fois plus, il y en a qui arrivent à faire plus, moi je fais que 2 chevaux à la fois. Donc travailler 2 chevaux à la fois et si le cheval est régulièrement monté, ne pas rajouter de la charge. Donc c'est-à-dire une fois par semaine que le cheval soit sorti sans poids du cavalier et sans même selle. Voilà. Ensuite, on utilise le dextre pour le débourrage justement, pour commencer à muscler le cheval, commencer à préparer à la selle. Donc évidemment, on a préparé à la selle avant de sortir en dextre scellé, ça c'est évident par rapport aux réactions du cheval. On,
on désensibilise bien, on prépare, on fait tout le travail. Mais ça, c'est intéressant. Regarde, j'ai longtemps sorti avec une selle et sans qu'il soit débourré. Je lui montais 2 secondes dessus quand il avait 2 ans. Je lui montais juste pour mettre mon poids. Je descendais, je faisais mon montoir à l'extérieur sur la pierre. Pareil, ça, c'est juste mon souci d'éducation et de surtout pas surcharger le cheval. Bon, après, je ne suis pas 80 kilos non plus. Hein. C'est ça aussi, il faut remettre dans le contexte. Je serais un homme, je ne l'aurais sûrement pas fait. Hein. Voilà un petit peu pourquoi utiliser le dextre. Voilà, et les gars, vous avez d'autres choses? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas dit? Alors, c'est intéressant d'utiliser le dextre avec un cheval très bien dans sa peau. Je ne parle pas de celui qui est en longe, parce que lui, il est, on va dire, en éducation, ou en rééducation, ou en travail musculaire. Mais par contre, c'est important d'avoir un bon cheval où on peut gérer à une seule main les rênes, un cheval qui peut avoir de l'amplitude s'il y a besoin de demander, d'avancer, un cheval qui répond à la voix, un cheval il ne faut pas tout gérer avec ce cheval. Un cheval qui ne pète pas en l'air. Voilà, donc moi j'ai Talisman qui est parfait, enfin parfait, il a le tout petit, voilà, il est parfait, Talisman il est parfait. Le tout petit défaut qu'il peut avoir, il a des allures assez vives, mais ça ne me porte jamais préjudice et ça force les petits hauts. Des fois, quand on trotte, ben voilà, on trotte vraiment, vraiment. Voilà un petit peu les conditions. Bah, et puis bah, évidemment, le cheval qui est en dextre, en longe, c'est très important de l'avoir éduqué avant. Mais ça, j'avais fait une vidéo là-dessus, d'avoir éduqué. Mais alors toi, hein, qu'est-ce que t'as changé? Mais qu'est-ce qu'il a changé? Je vous raconterai après. On va faire la vidéo avec toi après? Ouais, on fait ça pour la castration? Oui, c'était infernal. William. Oui, voilà, donc j'ai préparé Oyam avant, Oyam ou d'autres chevaux. C'est important que dès qu'on entend la longe, on approche le bras, clac, il avance, et qu'il réponde badine sur l'épaule quand on a besoin qu'il avance. Et badine devant, pour soit qu'il ralentisse, soit qu'il ne dépasse pas l'autre cheval. Parce que ça aussi, ça peut arriver. Les difficultés en dextre. Ah ouais, des fois, on en a vu des vertes et des pas mûres. Mais bon, quand même, en règle, à 90%, ça s'est quand même bien passé. Et puis voilà. Puis des fois, bah, Oyam, ça se voit sur ma vidéo de présentation des écuries de l'espoir. Lui, il est en liberté, Oyam, dans le chemin. T'as une mouche plate. Ah non, l'oreille. Oh, c'est pas drôle. Oh, c'est pas drôle dans l'oreille. Mais voilà. Après, bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose que le dextre. Voilà. Bon, bah, je pense avoir répondu au moins aux 2 questions qu'on m'a posées. Et je pense que c'est une bonne idée, en fait, que vous me posiez vos questions et que j'y réponde comme ça, à la volée, sans forcément préparer des grandes vidéos. De toute façon, maintenant, j'ai pas le temps. J'ai trop à faire. Mais c'est cool, hein, de répondre aux questions. Maintenant, on prépare la castration, mon gars. On répond à tout ça, là. On fait ça. Allez, Oyam. Merci, Talisman. Merci, mon loup.